Attention, attention. Je vais l'essayer. Ça marche. Ouais. Avec nos têtes de gland. Allez, hop. Donc les gros pneus, l'autre organisation, ils les mettent. Tu sais, à la place des cônes un peu. Ah ouais, d'accord. Pour délimiter les virages. Mais du coup c'est un peu. Mais tu fais gaffe quoi. Plus stressant, exactement. Ah, parce que je savais pas que c'était eux qui mettaient les. D'accord. Ouais, bah après c'est eux qui habillent la piste quoi. Ah, qui habillent la piste. Voilà. Ouais, d'accord. Là tu chauffes la voiture aussi, pareil. En pareil, après c'est plus rapide là. Tu fais un warning et tu fais un tour de piste. Voilà. Là je pourrais attaquer des. Non, mais fais normalement. Là je pourrais attaquer, je veux dire, à la fin de la ligne droite là-bas, tu vois. Ah ouais. Globalement. Et t'allumes pas les phares ? Non, pas besoin. D'accord. Et le fait d'être tout seul ou à deux, ça change quelque chose ? Ça change la répartition du poids. Parce que si j'étais tout seul, la voiture, elle serait un peu déséquilibrée de mon côté. Ah bah alors c'est embêtant ça. Mais par contre, ça rajoute du poids d'avoir quelqu'un, parce que du coup, la voiture, elle est moins légère là. D'accord. Et plus t'as de poids, plus moins tu accélères vite. Quoi, enfin en même temps, t'as gagné, t'as battu devant toi. Exactement, ça veut pas dire grand chose. Non. Mais la dernière fois, j'avais toujours des passagers aussi. Ouais, mais il y a peut-être des poids créatifs et des poids. Le mec, il des poids qui sont plus ou moins ça. Voilà. Qui te font aller plus vite, c'est voilà. Ça. Voilà. En plus, on a de la chance, on a personne devant. Ouais. Donc là, je vais pouvoir, vraiment carburer à la fin là, du tour. Là, tranquille. Ça clignote toujours. Hein. Ouais, c'est normal. Tant que j'attaque pas, je les laisse. D'accord. C'est d'accord. La règle. Je te laisse faire. Voilà, le but c'est d'aller chercher les extensions de piste. Les Il faut toujours utiliser toute la piste que tu as à la largeur. Ah oui, d'accord. C'est ça qui fait que tu vas plus vite. Parce que du coup. Ah d'accord. Là c'est 50 mètres, hein, ça veut dire. Là si je fais ça là, comme ça. Ouais. Tu vois, je plonge plus à la corde. Ouais. Quand j'arrive là. D'accord. Du coup, ça fait que je gagne du temps. Ouais. Bon, allez, let's go. Allez. Mais là tu coupes là pour gagner. Là tu coupes pour gagner, exactement. C'est un mec en coaching, c'est pour ça. Oh putain. Ouais, là je l'ai un peu perdu. Mais je l'ai récupéré. Tu l'as récupéré, donc pas bon. Et parce que t'es allé trop vite ou t'as freiné trop tard? J'ai freiné trop tard. Il écoute ce que je dis, ce con. Thank you.
n'ai pas dérapé comme l'autre fois. Bien celui-là, tu vois. Ouais, celui-là, tu l'as bien pris. Celui-là. Et là, si t'as un pneu qui éclate, il y a peu de chance. Ça pourrait arriver ou non? Ça peut arriver, mais bon. Moi, je surveille les pressions ici, là. Ah, ouais, d'accord. Une 22,9. C'est pas vrai. Pascal. Oh putain. On les a niqués. Ah, ça déconne pas là. Oh. Et... putain, t'as battu ton record. Et là on a la GoPro. Et en plus on a la GoPro. Aïe 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 aïe. Tu te rappelles de lui? On l'a doublé il y a 3 tours. Ils savent que tu fais une... ils savent que tu fais de la vitesse là. Ouais, je pense, ouais. Je suis content, je commence à bien performer. Ah ouais, ah ouais. Regardons ça là, on est à 100. Putain, t'as battu ton record. Allez hop là. Allez. Ouh. Et freine là quand même. Oui. Ah, c'est toi qui voulais que je freine plus tard, hein. Non, 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 tu freines pas. On a battu le record, c'est déjà énorme. C'est celui-là que je redoute. Pour ça. La voiture elle doit prendre quand même. Allez, un dernier tour sportif. Ouais, bah ouais. Waouh, waouh, waouh. Ouh là. Ouh. Ouais, ça passe, hein. On l'a sauvé. La petite voiture, ça, il va faire le warning. Normalement, ouais. Attention. Oh, putain. Il est con, hein. Là, il veut pas. Il est dangereux, lui. On a failli rentrer dedans, hein, quand même. Ouais. C'est
ça qui est, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des réflexes. Ouais. Voilà, il ne croit pas te faire voir là. C'est bizarre cette voiture, non? C'est une voiture sportive. Peugeot 208. Ouais, attends. Hop. Warning là. Allez. Oh putain. C'est pas vrai. Si, une 22,55. Oh putain. Bon allez, je suis fatigué là. Ouais, tu m'étonnes. Hein. Eh, t'avais bravo. 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 Moi je ne sais plus rien. J'ai dit, attends, je le laisse conduire. Là, je ferme ma gueule. Là, on a envoyé là. Là, on a envoyé. Bon, il faut mettre warning. Je vois un peu la fenêtre. Je sais pas si tu peux voir la tienne si t'as un peu chaud. Je sais pas comment. Ah oui. Ouf. Tu m'étonnes. Oh. Pas mal. Ah putain là. Là on a pas fait semblant. Ah non, on a pas fait semblant. Ça, je peux dire que là, mes 63 ans, je m'en souviens avec mon cadeau là. C'est vrai, t'aimes bien, ouais, ça va? Ah, j'adorais. T'éclates? Adoré. Ah. Ah non, c'était super. C'est top. Ah, puis j'ai vu les techniques que t'as utilisées, tout ça. T'as vu, hein? Il y a un moment, le véhicule s'est barré parce que t'avais freiné trop tard. Alors, là où je suis content, c'est que d'habitude, j'avais toujours peur de perdre le contrôle. Donc je gardais les aides un peu activées moi, en mode faible mais quand même un peu actif. Et là maintenant, vu que je connais bien la voiture, je me suis dit bon, on désactive tout. Mais parce que tu connais bien ta voiture. Voilà, et puis j'ai les réflexes à force de m'entraîner, faire la simulation, machin. Je sais comment rattraper une voiture qui va un peu dériver quoi. Donc là je suis content, tu vois, toutes les fois où on a eu des moments un peu compliqués, bah ça s'est bien passé. Ouais, c'est bien passé. Parce que même dès que tu perds la voiture, tu l'as bien récupérée. Ouais, t'as vu ça à chaque fois là. Tu vois, lui, il a un pot de compétition. C'est pour ça que t'as le gros claquement là. Ah, d'accord. Par contre, mes pneus, tu vois, ils arrêtent pas de gonfler depuis tout à l'heure. Ah. Donc, si je veux que ça, qu'ils soient encore efficaces, faut que je les dégonfle. Qu'ils se reposent. Ouais, déjà, et puis que je les dégonfle un petit peu. Ah, tu les dégonfles, d'accord. Donc, j'ai amené un outil pour les dégonfler, regonfler. Ah, d'accord. Allez, on rentre au bercail. Putain, j'ai l'impression que ça va tout à l'heure. Ah, cette session-là, on n'a pas fait semblant. Je te le dis. Non, on n'a pas fait semblant. Je te le dis. Là, c'était pas mal. Là. Il faut, avec ton relevé, il faut voir. J'aimerais bien savoir la vitesse maximum. Je vais synchroniser, je vais te dire. Faut que j'envoie les données du boîtier sur mon téléphone pour voir. Ça fait du 200, tu penses? Non. Non, pas autant. Mais tu sens l'odeur là? Tu sens la gomme brûlée ou pas? Ah ouais. C'est la voiture. Non, on n'a pas fait 200, mais on a fait 180, peut-être 195. 195, c'est possible, ouais. Ce qui est très bien pour ce circuit. Hein. Ah oui, parce que t'as pas tant d'endroits où tu peux faire du 195. La ligne droite, elle est pas immense, t'as vu? Ben non. Ouais. Non, elle est pas immense. C'est ça. Parce que le temps que t'accélères, paf, t'arrives très vite au. Et là, tu vois, il y a le soleil qui est plus fort que tout à l'heure. Et ça joue. Donc là, la piste, elle est plus chaude. Ouais. Donc tes pneus, ils grippent mieux parce qu'ils fondent un peu. Mais par contre, ils s'usent beaucoup plus vite. D'accord.
D'accord. Et donc... ils montent en pression plus vite avec la chaleur, tu vois. Genre là. D'accord, et... d'accord. Là, ils ont une pression quand même assez costaud là. Et oui, et la pression, faut faire gaffe parce qu'au bout d'un moment. Bah, plus si ton pneu est surgonflé, tu vas l'user beaucoup plus vite et tu vas perdre du grip. Parce qu'après, il va être trop enflé et il va décrocher un peu. Bah, tu vois, si on a commencé à dériver sur cette session là et pas sur l'autre d'avant, ouais. C'est parce que là, mes pneus ils commencent à gonfler un peu trop. Ah, d'accord. Donc là, faut que je les dégonfle. Et ça, t'as. Il faut que tu les dégonfles, tu le fais en proportion quoi.